Nanterre dans les bonnes intentions, beaucoup d'envie, donner du rythme et de répondre présent défensivement. Nick Johnson qui provoque la faute. And one. Voilà. Voilà une pénétration bien menée. Depuis le début de la saison, le BCM a des armes pour répondre. Alors que Wimbush fait sauter la défense. Hop. Une première fois, une deuxième. On voit les qualités athlétiques du garçon. Alors que là, il saute sur la feinte. Et ça, c'est une des choses qu'on n'aime pas faire. Oh, maman, la finition. Qui aurait été en or. Mais Horton, qui fait le travail. Qui fait l'effort, le rebond offensif. Tu peux rester à la maison. Et l'interception, Wimbush. Attention, décollage. Oh, maman, le 360. Il nous régale. Et on peut aussi attendre ce qui se passera demain. Mais oh, Horton qui était plus là pour poser l'écran. Boum. Autoritaire. Qui pense à distribuer. On va donner à Garino. Qui fait une petite passe clairvoyante pour le dunk. Horton, badaboum. Prêt à faire un hold-up en terre nanterrienne. Tyler Stone. And one. Il est déchaîné ce soir. De ne shooter qu'à 3 points alors que là, c'était malvenu. Trop téléphoné le backdoor. Garino qui donne à Johnson et le N1. Mais les matchs offensifs, on s'en délecte. On apprécie. Oh! Encore plus de 3 minutes à jouer. Les bases de ce match sont incroyables. Senglin and one. Aïe, aïe, aïe. Équipe offensive de Nanterre 92. Affaire à suivre pour l'instant. C'est Nick Johnson qui fait l'action défensive et qui en plus fait la passe en retrait. Il a feinté tout le monde, il prend le contact. Et là, Nanterre tient son petit break, plus 6. Ouh, le double cross. Garino, qui mange la sauce. Aïe, 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 Brandon Taylor. Petit jeu à deux, Horton. Qui redonne. Et qui renverse. C'était dur. En deux temps, la finition. Senglin. Il en manque un petit peu. Il glisse et il perd le ballon. 4 contre 2, ça se projette vite. Wimbush qui donne à Garino, qui termine et il demande la faute en supplément. Pino qui essaye de la glisser dans un trou de souris. Et Taylor qui nous fait la spéciale. And Doy qui prend le contact alors qu'on voit coach Donadieu exaspéré sur le côté. Et surtout, balle perdue de l'autre côté derrière. Senglin qui donne et bouya, le petit dunk en contre-attaque. Senglin qui perd un peu le contrôle du ballon et qui hésite. Séné qui va devoir se lever, il reste 3 secondes. C'est compliqué, quelle finition! Elle est en capacité d'équilibrer son bilan ce soir. Et là, elle est où? Benjamin Séné qui envoie sur orbite Horton. Alors qu'on multiplie les échanges sur le jeu à deux là, entre Séné et Horton et Benjamin Séné. Il prend le milieu, il met le coup d'épaule et en deux temps, il termine le travail. Et voilà, l'oubli dans le corner. Si tout à l'heure, ce n'était pas dedans, là, ça se rapproche un peu. Marcus Reed, le coquin Marcus Reed. Et qui fait l'effort. Wimbush, le step back, c'est difficile, mais c'est dedans. Voilà, rotation très très fermée du côté de Nanterre ce soir. Ce qui n'est pas du tout le cas du côté de Gravelines. Coach Jackson s'appuie sur tout le monde alors qu'on voit Brandon Taylor. On sait que du côté de Nanterre, on peut compter sur lui. Il est énorme depuis le début de la saison. Mais il se fait passer. Il se fait passer, même si... Est-ce qu'on aura le droit à un finish comme on a pu l'avoir sur... l'antenne de sport en France lors de la première journée. On met le joueur le plus athlétique du côté de Nanterre. Et bien sûr, on envoie Tyler Stone. Oh, allez, oup. Mais le marsupilami Wimbush